Bonsoir, selon les temps. Bonjour, mes cœurs. Bonjour, mes abonnés. Sinon, c'est comment? Je suis super bien. Je suis content de vous voir et de vous partager. La santé, c'est la première des choses. Quand tu te vas arrêter sur tes deux pieds, il faut remercier le bon Dieu. Il faut remercier le Seigneur. C'est le plus important. Voilà cette recette naturelle que je vous partage aujourd'hui. La recette est basée de quoi aujourd'hui? Mes cœurs, c'est pour avoir toujours éliminé toutes les sortes de blocages. C'est de ça que je vous partage aujourd'hui. Pour nettoyer, voilà, c'est de ça que je vous partage, pour nettoyer toutes les énergies négatives, pour avoir la santé dans tous les domaines, pour allumer ta vie par grâce à les bons dieux. Va faire cette recette pour avoir toujours l'ouverture du port partout mes cœurs. Partout que tu vas avoir, tu vas te sentir vraiment positif. C'est de ça que je vous partage aujourd'hui, avec l'ingrédient simple naturel, avec l'ingrédient qui va vous aider beaucoup par grâce à les bons dieux. Allez-y le faire, je vous en prie, vous allez me dire un petit merci. Mes amours, vous aurez besoin de chaud. Prends-moi le chaud, le matin bonheur, tu ajoutes de l'eau propre. Quand tu ajoutes de l'eau propre, tu vas faire le pipi, l'urine matinale. Le pipi, la première urine, sans parler à personne, sans rien dire à quelqu'un, tu prends ton pipi. Voilà l'urine là que tu as fait toute la nuit, que tu as gardé toute la nuit, tu prends l'urine là, tu vas ajouter ça dans l'eau propre là. Quand vous ajoutez dans l'eau propre, vous allez ajouter aussi le piment de Guinée. C'est ça qu'on appelle piment de Guinée. Voilà, allez-y au marché, tu vas demander les mamans qui vendent les spirituels là. Vous demandez piment de Guinée, on va vous montrer piment de Guinée. Vous prenez ça, en fait doucement, sûr que ça ne va pas à terre. Vous prenez juste 7 grains de piment de Guinée. Il y a aussi les grains aussi qu'on voit dans les sachets. Vous prenez aussi 7 grains de ça. Vous ajoutez dans le piment, dans votre lot. Vous allez garder le reste pour un autre jour. Vous allez ajouter aussi le sel de la mer, le gros sel. Voilà. Je ne dis pas sel de la cuisine, sel de la mer. Vous ajoutez ça aussi, le poignet de sang dans votre eau. Vous allez remuer l'eau, vous laissez ça se reposer pour quelques minutes. D'après quelques minutes, 10 à 15 minutes, vous allez prendre l'eau, vous vous lavez sans savon, avec les vies à l'api, avec la prière à l'api. Vous faites ça avec cette eau. Quand vous finissez à vous laver, qu'est-ce que vous allez faire? Après les prières, vous allez attendre dans la toilette. L'eau va cesser d'abord sur le corps. Quand ça se cesse maintenant, tu vas sortir maintenant de la toilette. Cette bain se fait pour 3 jours successivement. Chaque jour, tu fais le nouveau recette. Chaque jour, tu fais le nouveau recette. Jusqu'à les 3 jours. Dans les 3 jours, là, sans la rencontre d'un homme et sans rencontre d'une femme, en faisant cette bain. Et si tu es en règle, ma soeur, tu attends jusqu'à ce que tu vas finir. Cette recette se fait quand tu es propre là. Tu vas faire cette recette. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de vous abonner. Les autres vont revoir à travers de vos partages. Merci.